c'est trop bon les calissons. Moi j'adore. Pour préparer sa vidéo, franchement, alors je filme pas mes boobs, non. J'essaye de filmer un truc bizarre, mais ça n'a aucun sens. Hey guys! J'espère que vous êtes tous très bien en cette période toujours particulière. On a l'impression d'être avec un psy. Non, ça va pas. En tout cas, cette vidéo me tenait vraiment à cœur parce qu'on la voit très peu sur YouTube, alors que c'est un truc mais hyper à la mode. Le nombre de personnes qui font, qui pratiquent cette activité, c'est quand même ouf. Mais j'avais quand même quelque chose à dire à ce sujet-là. Il faut savoir que j'ai fait de l'aquabike pendant 2 ans. Si, si, je vous assure, c'est vrai. Et on a beau dire que c'est une activité un petit peu pour tous les âges, pour tout le monde, bah la première fois que tu te rends à ta séance, t'en es plus trop sûre. Ginette, elle est là, Bernadette, Paulette, Gertrude, Marie-France, Annabelle. Un petit temps d'intégration au début, mais franchement après ça passe. Ah oui, oui, moi aussi je mange des épinards, oui. Mais enfin moi je les fais au micro-ondes. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà l'aquabike, c'est hyper dur. C'est genre un truc hyper cardio. T'as beau avoir une condition physique, tu fais l'activité physique et tout, je t'assure que dans l'eau, la résistance, elle est oufissime. Et quand je suis arrivée, au début, bah, je me disais, mince, il n'y a que des grands-mères, tu vois. Mais il faut voir ce qu'elles donnent, les grands-mères, quand même. Ce sont des mutants. Clairement, t'es sur leur territoire. Elles te le montrent assez tôt, d'ailleurs. Puis devant, t'as la coach. Hein. Et ça se voit que c'est pas elle qui pédale. L'avantage de la cobaye, franchement, c'est les sons. Les sons sont tellement entraînants que dès que tu les entends à la radio, t'es obligé de pédaler. Genre tes jambes, c'est automatique, elles t'écoutent plus. Il y a un feu là. Ah oui, mince. Je suis un petit peu endormie là. I'm no professional dancer. Baby, I ain't no Michael Jackson. But I would learn any more. Mais tu fais quoi là? Mais c'est la chanson de l'aquabike. Ça m'arrive aussi dans ma vie quotidienne. Dans l'aquabike, il y a des sons, des fois tu les adores mais t'arrives pas à capter quel son c'est parce que tu peux pas chasamer, tu vois, t'es dans la flotte. Alors là je me dis, plus je vais faire des séances et plus je vais écouter les paroles pour essayer de les retrouver sur YouTube, tu vois. C'est hyper addictif. Enfin, c'est peut-être moi qui suis folle, en fait. Je sais pas. Bref, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me dire si vous faites vous aussi de l'aquabike. C'est peut-être moi qui suis folle, hein, je sais pas. N'hésitez pas à vous abonner pour agrandir la famille. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.